dois dire que c'est dommage qu'on s'y soit habitué, mais pour moi, je trouve que c'est une chose normale de la part de ce gouvernement, de la part du CNDD-FDD. On aurait été très étonnés de voir une autre mesure contraire à celle qui a eu lieu, parce que ce qui se passe maintenant, ce qui est arrivé à Floriane, ça va dans la continuité de faire peur à toute personne qui veut s'exprimer, donc comme les médias indépendants qui ont été brûlés, comme le terrorisme, je dirais le terrorisme qui est fait à l'endroit des membres de la société civile, à l'endroit des journalistes indépendants, à l'endroit aussi de toute personne, de tout Burundais qui voudrait dire la vérité, qui voudrait se battre pour la démocratie. Donc, je dis toujours que ce qui arrive toujours à Florian, c'est un signal très fort à toute personne qui voudrait s'exprimer sur ce qui se passe au Burundi.